Bonjour, bonsoir tous tes amis, tous tes collaborateurs, merci Dieu et passeport sexuel, comme c'est dans tout partout dans le monde là. C'est un plaisir pour nous capables de rencontrer aujourd'hui lundi qui 4 janvier 2021 pour nous capables d'informer. C'est toujours avec même l'amour, même fougue, même détermination, même respect nous gagnons pour l'autre. Nous rentrer la caillou pour nous capables de présenter aux nouvelles ça. Bienvenue sur Chanel Parla, merci Dieu et passeport sexuel. Et nouvelle nous côté pour dans vidéo ça, nous pour aller dans Grodos pays côté vice-délégué Beaumont et jour qui était 2 janvier 2021, jour des aïeux. Eh bien, il fait cas déjà quand sous une fillette qui manquait 3 mois pour le capable de gagner 15 ans. Eh bien, jour ça, il est venu un matin, il dit ti fillette la maman l'a prêlé, la ti fillette la lui même qui coûtait le vrai, il rentrait. Eh bien, ça le fait, il bouchait et bouche ti dame nan, il montait ensemble avec lui en l'air, il chirait rad sous lui, j'en ai regardé dans image yo là, il chirait rad lui, il chirait pantalette sous ti fia et puis il violait là, il fait cas déjà quand sous ti dame ça. Eh bien, pour nous capable gagner plus d'informations, de information ça, de nouvelles ça, nous parlons ensemble avec nos responsables OPC, les mêmes qui poilent et disent plus de dossiers ça. Ensemble avec en pile l'autre Zak qui a déjà passé gagné inspecteur de police, les mêmes tout, dans le mois de décembre, soit 30 décembre, ça, il était commettre un Zak comme ça sur une petite fillette dans Beaumont. Et puis tout, en pile l'autre Zak, pour pas de chance pour capable informer ce qui passait dans Beaumont. En suivant. Ok, ben nous allons Jérémy pour nous aller parler avec Harold Nicolas, responsable OPC dans Grados Pays sur viol à répétition qui a fait dans le département ça. Donc il y a une demoiselle, une fillette qui a 3 mois pour aller 15 ans, donc qui est victime Zach viol, mais vice-délégué Beaumont qui est Mesga Chomed, il y a plusieurs autres cas encore qui arrivaient. Après le parler avec Harold Nicolas qui est ensemble avec nous, bonjour. Bonjour Monsieur Diocel, bonjour Monsieur Céline, bonjour Monsieur Carrier. Oui, bonjour Monsieur Diocel, bonjour Monsieur Céline, bonjour Monsieur Carrier. Allô, allô. Oui. Allô. Oui. Vous m'avez parlé, Nicolas. Donc, pas oublier, attendez dans le téléphone, non, au lieu que vous attendez sur la radio, puis qui peut-être a brûlé. Attendez dans le téléphone, non. D'accord. D'accord, d'accord. Oui. Merci. Oui, bonjour, vous m'avez parlé. Alors, bonjour Monsieur Guerrier, bonjour Monsieur Céline et bonjour Monsieur Galvez. Alors, Jean, nous sommes dit, OPC, Office de la protection du citoyen, nous connaissons l'institution nationale de promotion et de protection des droits humains, qui a fait promotion pour le droit dans tout le pays, qui est notre pays, maître René Edouville, protecteur du citoyen. Eh bien, suite avec un message qui t'a fait la une sur les réseaux sociaux, côté que on fait état de une fillette qui t'a violé par vice-délégué Beaumont. Rapidement, au niveau de l'OPC Grandens, nous t'es metté équipe enquête non en branle pour nous être capable de faire l'information. Bien entendu, OPC saisit de deux manières. Il saisit par plainte et il saisit par auto-saisine, il saisit par plainte. Maintenant, là, nous informer de situation, nous avons des points focaux qui, dans toute section communale, que nous commençons à installer au niveau de la Gadas, et faire contact avec point focal, nous, au niveau Beaumont, et puis on mettait en contact avec parents victimes, non, qui c'est Madame Wesh, qui c'est déléguée de ville de Beaumont. Eh bien, Madame Wesh, tu peux confirmer pour nous, effectivement, les gagnants en fillette, la Cali, qui fête le 6 avril 2006, eh bien, fillette ça, l'État a violé le 2 janvier, jour des aïeux, par le vice-délégué de l'arrondissement de Beaumont, M. Mesga Chomed. Et fillette là, dans la conversation que nous avons avec lui, il explique nous que M. Chomed, maman l'a prélé, maman l'a prélé. Alors, c'est deux mondes qui voient, c'est deux mondes qui habitent même côté, donc c'est deux voisins. Et puis, il allait aller rentrer, il joint maman et délégué a dormi. Et puis, délégué a profité, il mettait main en bouche, il portait, il montait l'escalier avec elle. Il chire rad qui sous lit, il chire qui l'autre lit, et ensuite, il viole. Après, il dit, il prend 10 parents, ça qui passe, hein. Délégué, vice-délégué, il les amène, il met dans les oreilles, il dit, depuis le palais, l'actuel, il bat lui, et puis il fait l'aller. Donc, ça passait le 2 janvier à Beaumont.
Maintenant, le oui, c'est le premier cas. Deuxième cas, il passait dans la commune Moron. Ça passait le 30 janvier, le 30 décembre, pardon. Côté une fille qui a 16 ans, qui s'est rechargé en radio dans le commissariat Moron. Là, il peut aller la Cali, gagner l'inspecteur de police, Lisère Ronsan, qui mandait le côté au Vanibier dans la zone. Non. On, inspecteur Lisère, son inspecteur de police, donc il est mieux qu'on zone que Fiette là. Fiette là dit, le Vanibier là, plus devant. Eh bien, il dit Fiette là, elle montre le côté au Vanibier. Naïve qu'elle est, il est accompagné, inspecteur là, arrivé à mi-chemin, inspecteur Akembel, il bat lui, après, il viole. Donc, c'est un autre cas, côté que nous, au niveau OPC, nous avons fait prise en charge et médicaux. Maintenant, comme nous tenons période faite, nous attendons pour nous, aujourd'hui, à là, nous accompagner par devant les instances judiciaires. Et aussi, à Beaumont, gagnant, Nerlin Jeudi. Nerlin Jeudi, c'est le frère de l'ex-commissaire du gouvernement, Benjamin Sylvain. Nerlin Jeudi, t'es commis un viol sur un mineur de 12 ans. On peut s'être accompagné par un mineur ça et on m'a d'amener la justice jérémienne s'est décerné contre Nerlin Jeudi. Et Nerlin Jeudi était au courant de mandat ça, il était quitté Beaumont. Pendant la période de l'année, Nerlin Jeudi retournait dans la commune Beaumont. Et bien, par un mineur accompagné Kazek là, avec mandat, il allait arrêter Nerlin Jeudi et remettre le juge de paix à Nol. Par un jeudi, monté avec fracas en Chango, il y a le prendre le jeudi dans le juge de paix. Donc, on a rappelé que la commune Beaumont, depuis tantôt 3 ans, n'a pas gagné un commissariat. Le commissariat Beaumont a été incendié suite avec un policier qui était exécuté. Il y a un chauffeur moto. La population a été fâchée et a mis du feu dans le commissariat. Depuis là, pas jamais gagné une diligence qui fait pour le commissariat ça fonctionner. Donc, au niveau de la grande, nous sommes capables de dire que c'est une situation terrible que nous vivons. Et nous sommes enregistrés 92 jeunes filles seulement dans la commune Beaumont qui enceintes 14. Alors ça, c'est suite à un rapport et GTPE qui est là dans ce groupe de travail des enfants qui est là dans l'Institut de bien-être social, Office de protection citoyenne, Brigade de protection mineure et conditions féminines, Initiative départementale contre la traite et le trafic des enfants, IDET, avec appui UNICEF et le CAIR. Eh bien, directeur de l'école La Prophétie de Beaumont a fait état de 41 jeunes filles qui étaient enceintes dans l'école pour période de confinement. Maintenant, le GTPEA, nous avons chuté ensemble, nous avons dit qu'il faut regarder, parce que si on seule l'école qui est 41, il faut regarder dans l'autre école. Yo. Et bien finalement, 92 jeunes filles, alors il varie, il y a des mineurs, il y a des majeurs, qui pendant la période de confinement tombent enceintes seulement dans la commune Beaumont. Allô? Oui, voilà. Donc, c'est ça la situation au niveau de la grandance. Et ça qui paraît terrible, c'est que c'est des autorités encore qui commettent des actes de viol, quand c'est des inspecteurs de police, des vice-délégués, donc c'est des gens qui sont là pour protéger les jeunes, pour protéger les timons. Donc, ouais, c'est Monsaro qui est impliqué dans ça. Donc, au niveau de l'OPC, nous sommes très présents et n'avons pas accompagné les victimes pour que la justice soit capable. Surtout qui rend le département strictement, tristement et célèbre. Est-ce que nous gagnons explication de motivation et le monde qui a commis des actes violents, pardon, et pour qui ça, c'est le département Grand-Est qui a enregistré tôt ça, et tôt côté nous, quantité de violents, il a augmenté dernier jour ça. Alors, il y a deux commentaires nous capables de faire. Le premier, c'est que au niveau de la grandance, nous avons un système judiciaire qui presque capable qui est dysfonctionnel. Le juge Rosny, c'est lui le tape qui était juridiction, il était écrit, on l'est public quand il a dit la justice, Jérémy en est pourri. Donc Jérémy son justice qui est vendue. Au niveau du parquet, pas gain un suivi qui fait. Au niveau cabinet de instruction, juge de instruction, il y a plus et rend des ordonnances, il n'y a pas une ordonnance à temps. Et il y a plus de main levée dans le dossier. Donc, quel que soit le dossier à juge d'instruction, c'est main levée que vous avez. Et ça vient créer une situation côté que c'est l'impunité, c'est l'injustice qui a fait rien parce que leur système judiciaire qui est aussi corrompu et son justice au plus vendu
sont juste qui vendent à Jérémie. Donc, Jérémie, système judiciaire là, il est pourri, il n'est pas fonctionné. Donc, c'est corruption sur toute la ligne. Et deuxièmement, les organisations, l'OPC est très, très présent au niveau de la grandance. Les organisations de droits humains sont très présentes. Donc, ce qui passe, ce n'est pas seulement le département de la grandance, mais dans tout le pays, c'est que victimes, au niveau de la grandance, ils ont des accompagnements. Nous sommes sensibilisés. Lorsque aux victimes, ils ont qui porte pour frapper. Et organisation, OPC, les cas qui ont passé, ils ont rendu cas au public. Donc, ce n'est pas seulement dans la grandance. Et si nous avons fait une enquête approfondie, ce n'est pas seulement dans la grandance qui a un genre de cas. Mais c'est peut-être dans la grandance nous plus présents. D'accord. Oui. Allô? Oui. Oui, bon, bonne fin pour tirer notre vue matin là. Mais pendant toute Kassayo, pas de arrestation qui fait, vice-délégué à Flanin, inspecteur police là à Flanin, comment ça y est? Alors, nous, au niveau de l'OPC, nous déjà entré en contact avec le directeur départemental de la PNH, M. Rias Dominique. Nous pas connaît qui suivi qu'a fait du côté PNH, mais rapidement l'OPC a été saisi de questions ça, nous sommes entré en contact avec lui. Et pour l'instant, nous, matin, hein, de très tôt, nous avons rendez-vous avec les victimes, avec surtout parents, pour que nous accompagnions vers les instances judiciaires. Voilà, bon travail. Merci beaucoup. Voilà.